Voilà, je viens d'acheter un jeu de cartes, Bicycle. Donc, d'habitude, des très bonnes qualités de cartes. Mais là, j'ai un petit souci, en fait, c'est que je me suis retrouvé avec des cartes entièrement blanches, pas vraiment imprimées. Donc, c'est pas très très pratique pour jouer. Et alors, dans la notice, il m'expliquait en fait qu'il y a une carte magique à trouver dans le paquet. Donc, je vais essayer de vous la trouver. Avec un petit peu de chance, je la trouverai du premier coup. Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là non plus. Peut-être forcer le destin. Ah, là voilà. Donc, cette carte magique me permettra de faire apparaître le jeu. Donc, juste hop, en frottant un petit peu comme ça. Et on se retrouve avec les cartes imprimées. Mais le souci, c'est que on n'a que des dos. On n'a pas de face. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver une deuxième carte magique. Allez, elle n'est pas ici. Elle est ici. Très bien. Donc, cette deuxième carte magique va me permettre de garder d'une part les dos, mais surtout de récupérer les faces. Donc voilà, j'ai maintenant possession d'un jeu parfaitement complet. Donc, cette carte magique, je vous la montre, hein, donc c'est celle-ci. Donc, on la retrouve facilement dans le jeu, évidemment, parce qu'elle a un dos et une face pas imprimées. Donc, il faut faire très attention, parce que là, on peut très bien avoir le jeu entier dans sa possession, et puis, par mégarde, poser la carte magique sur le jeu, et là, on se retrouve avec un jeu de nouveau blanc.